Salut tout le monde, c'est Lady, je suis en compagnie de Yoda. Hey, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. On a les infos pour vous permettre d'obtenir le gouffre nécrotique, qui n'est autre que la version exotique de la nécrochasme, si je peux dire ça comme ça. Donc en fait, cette arme, pour la looter, il va falloir franchir plusieurs étapes. Tout d'abord, il va vous falloir obtenir la carapace du gouffre, qui est l'arme blanche de base, que vous pouvez obtenir simplement en ayant beaucoup de chance, en tuant tout simplement une lame de Cropta sur Terre, donc qui est un des chevaliers de la lame de Cropta. Donc une fois que vous avez looté cette arme, il va falloir l'améliorer une première fois en légendaire, donc elle portera le nom d'apparition alliée. Pour l'améliorer, il faudra tout simplement obtenir un orbe d'embonnement en étant rang 4 d'Eris. Donc ça se passe sur la faction d'Eris directement sur la tour. Et donc troisième étape, vous allez pouvoir la looter donc en obtenant l'essence de Cropta directement dans le raid hardcore. Et là, elle deviendra exotique et elle s'appellera le gouffre nécrotique. Donc voilà pour son petit historique. Sachez que c'est une arme qui monte jusqu'à 339 points d'attaque. C'est actuellement l'arme la plus élevée du jeu. Et donc, c'est une arme qui vous propose des dégâts cryo-électriques. Comme vous pouvez le voir actuellement à votre écran, elle a une cadence assez élevée pour un impact plutôt faible. Donc sa puissance, à mon avis, restera à démontrer. Toutefois, elle reste très intéressante pour ses points d'attaque, je le rappelle. Donc je laisse la parole à Yoda qui va vous parler de ses différentes capacités. Voilà, donc tout d'abord, je tiens à remercier Noné. Vous pouvez voir qu'en haut à droite, le personnage n'est pas l'un des nôtres. C'est tout simplement Noné, donc quelqu'un avec qui on joue assez fréquemment, qui a réussi à la looter. Donc voilà, il nous a fait ce petit gameplay. On le remercie beaucoup au passage. Donc pour les capacités de l'arme, vous voyez à l'écran un petit gameplay que Noné a enregistré, voilà. Donc les premières capacités, c'est tout simplement qu'il y a des tirs en cascade, donc les frags de mêlée permettent d'améliorer le temps de rechargement de l'arme. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très efficace pour recharger beaucoup plus rapidement. Ensuite, comme d'habitude, il va y avoir des petits réglages pour améliorer la portée, la stabilité, etc. La première grosse capacité s'appelle Oiseau de Malheur, elle permet tout simplement de faire péter beaucoup plus facilement les esclaves maudits. Et la deuxième capacité s'appelle Télémétrie. En gros, quand vous visez, la portée de cette arme va être grandement améliorée. Voilà, vous voyez que la portée de l'arme reste assez faible et c'est vraiment une très très bonne capacité. Donc voilà, vous voyez, Noné nous a enregistré un petit gameplay. Ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, le skin de l'arme 1 est légèrement modifié avec des petites flammes vertes qui remontent de chaque côté de l'arme. Elle est assez jolie, moi je la trouve assez jolie. D'après ce que m'a dit Noné, parce qu'évidemment, nous on n'a pas pu jouer avec... Voilà, c'est une arme, il est content de l'avoir lootée, c'est une arme assez rare et c'est pas une arme avec laquelle il va vraiment s'attarder, il va pas énormément jouer avec puisque c'est vrai que c'est une arme qui n'est pas si efficace que ça par rapport à sa cadence qui est vraiment importante et son impact qui est trop faible. Par contre, c'est sûr qu'en nuit noire avec les dégâts cryo-électriques, bah là, il va pouvoir se faire plaisir avec cette arme. Donc, au niveau du loot de cette arme, enfin du loot tout particulièrement de l'essence de Cropta, qui vous permettra de passer l'apparition alliée donc en gouffre nécrotique. Il faut savoir qu'il faut remplir deux conditions. Il y a deux conditions pour pouvoir looter l'essence de Cropta. La première condition, c'est d'avoir looté le revêtement du raid, le Glowoo, si je me souviens bien du nom. Donc il faut l'avoir looté avec le personnage avec lequel vous jouez ou avec un autre personnage, peu importe. Vous n'êtes même pas obligé de le porter ni de l'avoir dans l'inventaire du personnage avec lequel vous jouez. Il faut simplement l'avoir looté au moins une fois avec n'importe lequel des personnages que vous avez. La deuxième condition à remplir, c'est de ne pas avoir fait le raid en level 30 de la semaine. C'est-à-dire que quand le mardi arrive, il y a le reboot de la semaine, vous voulez looter l'essence de Cropta, et ben il faut partir directement sur le raid hard du raid de Cropta. C'est-à-dire le raid en niveau 33. Voilà. C'est les deux conditions à remplir pour pouvoir looter l'essence de Cropta. Donc voilà, vous pouvez voir à l'écran, hein, franchement, bah lui, bah, évidemment, c'est un des premiers gameplays qu'on voit. Je sais que, du coup, depuis hier, puisqu'il y en a beaucoup qui ont eu le revêtement la semaine dernière, depuis hier, il y a beaucoup plus de personnes, évidemment, qui arrivent à looter l'essence de Cropta. Et voilà, enfin, moi, je trouve cette arme, elle a un joli skin. C'est une arme que j'ai hâte d'avoir pour la collection. Après, je sais pas vraiment si c'est une arme sur laquelle je m'attarderai. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette arme, si vous avez réussi à looter ou pas l'essence de Cropta. J'espère que cette vidéo vous a plu et je laisse le mot de la fin à ma petite Lady.
Rien de particulier à dire, à part que maintenant que vous ayez toutes les informations en main, on n'a plus qu'à vous souhaiter bonne chance et bon courage pour looter cette fameuse essence de Cropta qui se fait, ma foi, plutôt rare. L'arme du DLC du caveau de verre, c'était plutôt l'Avex. Là, vous avez la gouffre nécrotique. Tant mieux au final que ce soit plutôt rare. Ça fait son côté précieux, cette rareté. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour looter cette arme et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Salut tout le monde.